Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous voyez ici, on va faire sponge. Sponge, c'est les beignets qu'on trouve à la plage avec du sucre, etc. et tout. Je vous raconte même pas comment ils sont bien croustillants à l'extérieur, bien moelleux à l'intérieur, très très légers. Vous allez voir. Allez, on va commencer les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Yallah, bismillah. Alors pour les ingrédients, on va avoir besoin de 500 g de farine. Donc utilisez toujours le même bol. Voilà. Un bol d'eau tiède, l'équivalent de 320 g. Une cuillère à café de vinaigre blanc. Une cuillère à soupe bombée de levure boulangère. Une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de sucre. Je vais mettre tous mes ingrédients secs. Mes deux bols de farine, ma levure boulangère, cuillère à café de sucre, cuillère à café de sel. Je vais un petit peu mélanger le tout. Je vais mettre mon bol d'eau direct et ma cuillère à café de vinaigre. Voilà. Et on va laisser le tout pétrir. Faites pas attention au bruit qu'il y a. Donc j'ai une coupole et il pleut très très fort et on entend vraiment fort la pluie. Donc faites pas attention. Alors ici je trouve que la pâte elle est un peu dure. Donc je vais rajouter juste un petit peu d'eau. C'est rajouter une à deux cuillères à soupe d'eau qui aide. Ici, j'ai bien pétri ma pâte, on va dire un petit 5 minutes, comme vous avez vu ici. Regardez la pâte, comment elle est. Vraiment, regardez la texture de la pâte, s'il vous plaît. Parce qu'on aura beau vous donner les grammages exacts, et parfois, il y a certaines farines qui absorbent plus que d'autres, etc., etc. Vraiment, regardez la texture de la pâte. Donc, si elle est trop dure, vous rajoutez une à deux cuillères à soupe d'eau. Et si c'est le contraire, vous rajoutez un tout petit peu de farine. Donc, il n'y a pas de grammage exact comme les macarons ou autres. Regardez la pâte comment elle est. La pâte elle est collante, donc aidez-vous avec de l'huile. Voilà, regardez la pâte comment elle est. Elle est vraiment magnifique la pâte. Franchement, bien aérienne. Il y a des bulles à l'intérieur et tout. Donc on va la laisser reposer durant 30 minutes pour ma part. Donc pour vous, peut-être que ce sera 40 minutes ou plus. Voilà. Dès qu'elle triple de volume, comme vous voyez ici, regardez-la. Il faut vraiment qu'elle triple de volume. Elle est magnifique la pâte. Franchement, je suis fière de moi. Et là, on va commencer à faire nos boules. J'ai un peu d'huile ici. Et je vais m'aider avec un peu d'huile. Donc ici déjà, dans mon plateau, je vais mettre de l'huile partout. Bien huilé. J'ai un petit peu dégazé. Comme la pâte elle colle, je m'aide à chaque fois avec de l'huile. Essayez de dégazer, mais pas tout à fait. Voilà. Et on va faire des boules. Alors pour la taille des boules, donc je ne les ai pas pesées, mais regardez sur la paume de ma main comment ça donne. Voilà, ils ne sont pas très grandes et ils ne sont pas petites non plus. Vraiment, c'est la taille moyenne de voilà, les sponges qu'on mange sur les plages du Maroc. Après, si vous voulez faire plus petites que ça ou plus grandes que ça, c'est à vous de voir. Mais moi, je ne les ai pas pesées parce que j'ai l'habitude de les faire quand je ne sais pas quoi faire pour le goûter. Donc, je fais des sponges. Tout le monde aime généralement. Et c'est facile à faire. Franchement, vous pétrissez votre pâte ou à la main ou à la machine. Cette fois-ci, je l'ai fait à la machine, mais moi, je préfère faire mes pâtes à la main pour vraiment savoir la texture, comment elle est la pâte et tout. Mais bon, aujourd'hui, je fais à la machine, donc je fais les grammages exacts et c'est bon.
Alors, quand vous avez fini, vous ne laissez pas du tout reposer votre pâte directement. Alors ici, je prends la première. Je vais faire un petit trou au milieu. Voilà. Juste comme ça, en vous aidant un petit peu. Voilà. Et je vais la prendre et je vais la mettre dans de l'huile chaude. N'hésitez pas à faire comme ça, vraiment bien l'ouvrir parce qu'après, le trou, il va se refermer. Bismillah. Voilà, moi je ne mets pas de poils, etc. etc. C'est. Voilà, vous allez voir qu'ils vont être tout aussi bons. Voilà, je continue à faire le reste. Et ici, n'hésitez pas à mettre de l'huile comme ça. Vraiment. Et de l'huile. Qu'elle gonfle bien. Vous allez voir, elle va être super aérienne. Aérienne, on dit ça. Aérée. Et je prends encore une, j'ai encore de la place. Voilà. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire deux poils, etc. comme beaucoup le font. C'est juste beaucoup de vaisselle, beaucoup de... Écoute, bref, j'ai pas envie de trop te parler. Sinon, je vais me faire des ennemis. Voilà, le feu, il doit être... Vous mettez le feu fort. Et ensuite, vous diminuez juste un petit peu. Regardez-moi ça, bien aéré. Voilà, qui dit mieux? Voilà, ici je vais retirer mon premier petit beignet. Voilà, ici. Suivez la recette, vous allez voir. Voilà. Dès que vous le mettez, n'hésitez pas à mettre de l'huile, sans vous asperger bien sûr, pour brûler. Plus que vous allez mettre de l'huile par-dessus, plus qu'elle va gonfler et elle va être aérienne. Et c'est très chaud, donc faites attention, hyper chaud. Et si vous voyez que ça brûle très vite, ça dort très vite, donc ils deviennent trop dorés, diminuez votre feu. Moi, je préfère le faire dans la gazinière. Hein. Vous avez vu que je suis pas sur ma tac parce que induction, ça me fait pas trop les pâtisseries que je veux et tout. C'est pas grave s'ils sont pas parfaits, hein, donc allez. Voilà, je sais plus qui m'avait demandé la recette de schwenj. Il y a la recette de schwenj. Bien ouvrir. Voilà, mon petit goûter, il est prêt. Donc, mon petit cake à la pomme que j'ai fait vite fait, voilà. Et mes petits schwenj sont prêts. Regardez comment ils sont bien croustillants et légers à l'intérieur. Vraiment, je peux même pas dire que c'est des beignets parce qu'ils sont vraiment trop légers pour des beignets.
C'est vraiment pas la texture des beignets. À l'intérieur, ils sont charmants. Un petit nuage, comme ceux de la plage au Maroc, comme ça. Mais même encore mieux, mes enfants, ils m'ont dit encore mieux, maman. Vraiment, ils sont nickel. Testez cette petite recette, elle est vraiment inratable. Vraiment, je la fais très, très souvent. Donc, si vous suivez les étapes, il n'y a vraiment rien à dire. J'ai mis du sucre à côté pour celui qui veut. Donc, il y en a qui n'aiment pas le sucre. Il y en a qui aiment comme sa nature. Voilà, vous mettez avec du miel, ce que vous voulez, vraiment. Même comme sa nature, ils sont délicieux. Moi, je préfère comme ça. Alors, j'espère que cette petite recette, elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Salam alaikum.